a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La guerre ! Non ! La guerre ! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort ! Vous venez d'aller voir le film Charrette, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement? Mais c'est un pan très méconnu de l'histoire que moi je ne connaissais pas en fait de la guerre de Vendée, donc c'était intéressant. Je l'ai vu plus comme un documentaire, il y a évidemment un parti pris qui est très fort, mais quand on ne connaît pas l'histoire et je ne connaissais pas cette guerre-là, c'est intéressant. Pourquoi vous avez souhaité aller le voir ce film? Mais en fait c'est parce qu'il y a des amis qui ont été le voir et qui nous ont dit que c'était bien et leur fils est féru d'histoire. Donc j'ai été le voir vraiment dans un esprit documentaire en fait. Pas forcément parce que c'était un film lié au Puy du Fou, Philippe de Villiers. Non, du tout, non, c'est pas ma... pour être honnête, Philippe de Villiers c'est pas ma tasse de thé. Mais ça vous a plu quand même? Oui, d'un point de vue historique et documentaire, absolument. C'est une grande claque qu'on a pris. Enfin au moment on m'avait dit que des bons commentaires, que des... Comme quoi il était génial, enfin il a été quand même réalisé en 2 semaines je crois. Et faire un film comme ça, avec un budget qui est quand même pas conséquent par rapport à des films comme Asterix, c'est une claque comme rarement je pense on en prend au cinéma. C'est une école aussi qui m'a beaucoup appris sur l'histoire de France. Et donc pour moi c'était quand même... c'était normal d'aller voir ce film. Vous êtes venu à plusieurs là, voir le film Vaincre ou mourir. C'était quoi? C'était le projet de venir tous ensemble? Bon, on s'était dit, enfin j'étais déjà venu le voir en début de semaine et on s'est dit que ça pouvait être sympa de le faire entre amis. Parce ah ouais, deux fois, t'as vraiment aimé le film. Je retourne le voir une troisième fois lundi prochain. Vraiment parce que ça permet de diffuser, c'est un message qui est quand même magnifique. C'est que c'est la première fois qu'on voit véritablement un film de cette ampleur-là qui montre, alors avec forcément... certaines romances, mais comment s'est passé cet épisode-là qui est quand même dramatique. Justement, montrer ça à des amis, montrer ça à des personnes qui... plutôt à des néophytes complets aussi. Notamment lundi soir, j'amène des amis qui ne connaissent pas du tout cette histoire-là, donc voilà. Ça vous a rendu royaliste ou vendéen, ce film? J'irai pas jusque-là, mais... Oui, non, c'est beau, comme il disait, de revoir les... Enfin, de mieux connaître cette histoire qui a souvent été occultée, et même par rapport à ce qu'on nous apprend à l'école, par exemple, on ne parle pas du tout de tous ces événements. Je pense que c'est un beau moyen de les rendre plus connus auprès des Français. Et verser votre larme presque. La première fois, oui, la sac, du coup, j'avais déjà vu, donc je me souviens plus même, et je veux que la première fois, c'est quand même un film qui est assez poignant. Là, c'est vrai qu'on apprend un certain nombre de choses que je ne connaissais pas d'ailleurs, donc c'est fort intéressant. J'ai vu que c'était Nicolas Delulier qui était aux manettes. Alors, il y a en même temps beaucoup de la part de Villiers, c'est sa patrie en fait. Hein, donc, mais alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin du film, il y a des gens qui ont applaudi. Donc, je me suis dit qu'il devait y avoir des Vendéens dans la salle. Ah, moi, j'ai été super émue. Ça... Waouh. C'est toute une page de l'histoire de France dont on n'entend jamais parler et qui est quand même. C'est horrible ce qui s'est passé. Et ce type qui est un héros, mais. Comme il n'en existe plus, quel courage. Ces Vendéens, ils ont tellement, tellement souffert. Non, c'est un... Très, pour moi, il y a des critiques peut-être à faire sur le plan cinématographique. Notamment sur le fait que ça ressemble davantage à un documentaire, la voix off qui est omniprésente. Est-ce que ça vous a choqué? Moi, ça ne m'a pas gênée. J'ai entendu des critiques dans ce sens-là, qu'il n'y avait pas assez de figurants, des choses comme ça, mais non, ça ne m'a pas gênée. Qui connaît l'art de la guerre? Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour. Ils ne sont pas du pays, nous aussi. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre!